RNPP, bah plutôt PP, la crypto qui fait parler d'elle en ce moment. Les gars, on parle crypto aujourd'hui sur ce tutoriel. Allons-y, je vous montre comment vous pouvez miner ou soit gagner gratuitement des PP. Ici précisément, c'est pas miner, mais bon, c'est plus gagner en effectuant certaines tâches par-ci par-là. Ok, le lien, c'est en fait c'est RNPP. Earn-pp. Donc ça c'est le site web en question, c'est sur le site en question sur lequel je me trouve, et là déjà vous voyez mon solde à ce niveau, mon solde à ce niveau qui est de, ce sont les pp qui sont de 102 pp. Ensuite là je viens de cliquer sur la flèche là de mon solde. Vous pouvez miner, bon, vous pouvez plutôt, vous pouvez gagner différents cryptos ici. Différents cryptos ici, donc voici la liste. À vous voir, vous aurez toute une panoplie de listes là. Mais bon, là, je suis resté coché sur PP. Si je viens, par exemple, je dis, je change pour venir sur du Doge. Là, il essaye de charger le Doge et il va montrer mon solde en Doge. Je pense que j'ai déjà récupéré tout ce que j'ai sur le Doge. D'où il n'y a plus rien. Ah non, j'ai quand même emmagasiné 0,05 Doge. Je pense que je vais effectuer un retrait de ça pour comme exemple pour ce tutoriel. Mais revenons sur le PP, c'est ce qui nous amène ici. Ok. Là, les trois petits points là, les trois ici, les trois petits points là, je vais essayer de passer tout ça. Ok. Cliquons à ce niveau. Ici, vous avez le tableau de bord. Je vais essayer d'expliquer d'une manière rapide. Ici, c'est le tableau de bord. C'est là où nous sommes en ce moment. Ici, le withdraw, c'est là où vous pouvez faire le retrait. Ici, c'est l'affiliation, les liens d'affiliation. Chose que je vais plus tard laisser dans la description de la vidéo. Si vous voulez créer un compte ici, vous allez cliquer sur le lien que je vais laisser dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur le lien pour pouvoir vous créez un compte. Ok, les notifications, pas important. Ça aussi, c'est pas si important que ça. Les challenges, c'est important, mais ça me saoule. Moi, personnellement, je n'y touche pas en ce moment. Si on vient un peu vers le bas, ok. Les petites tâches qu'on fait quotidiennement, ce que moi je fais le plus souvent, c'est ça. Ça, bon, il y en a certains qui sont. Il faudrait vraiment être rapide. Certaines tâches, on va effectuer. Nous allons faire la présentation de tout ça dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent. Ok, déjà le premier lien là, le manuel faucet. Lorsque vous irez là-bas, vous allez voir à ce niveau qu'on vous propose à chaque fois de gagner 4 pp. Ça, c'est en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon compte. Je sais pas si c'est pareil pour vous ou non. 4 pp juste en faisant la tâche suivante. Je défile vers le bas. Vous devez valider le captcha. Ça, c'est mesure de sécurité. C'est bon pour ceux qui sont habitués au captcha, ils savent de quoi je parle. C'est mesure de sécurité. On vous demande par exemple de cocher ce qui est similaire à ça. Parmi la liste en dessous, vous cochez ce qui est similaire à ça. Parce que ce qui est similaire à ça, c'est bien ça. Ok, d'où ce qu'on fait, on coche, on attend que le chargement soit validé. Ça passe en vert, je pense, ou c'est en jaune, un truc comme ça. Voyons voir. Bon, là, on a mis déjà en jaune, un jaune cassé. Je me suis mis à faire ce tutoriel alors que j'avais pas assez de données. J'espère que ça va pas gêner. Let's go. Là, il prend un peu trop de temps, c'est pas normal. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors que j'avais l'inspiration, je suis lancé et comment. Bon, c'est pas trop, hein. On va essayer. Ok, c'est déjà bon. Il est passé au vert, il me dit c'est vérifié. Et tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Collect Your Rewards. Rewards. On collecte et vous verrez directement qu'on va nous créditer 4 pp sur notre compte. Oh, oh. Ok, parfois, on vous crédite directement, mais lorsque vous essayez plusieurs fois, on vous demande de revérifier encore le captcha. Ici, je ne suis pas un robot, vous cochez sur la case. Dès que c'est validé, vous vérifiez maintenant. Vérifiez maintenant. Et j'étais à 102, n'est-ce pas? Vous voyez, je serai crédité des 4 pp. Nous sommes déjà à 106. 106 pp. D'accord? Ok. Ça, c'est une tâche.
Donc, vous pouvez répéter l'action là plusieurs fois pour récupérer les 4-4-4-4 ainsi de suite jusqu'à accumuler des PP encore et encore. Et plus tard, vous pouvez faire le retrait. Même le retrait, je vous montre comment on fera. Le Crazy Faucet, allons-y pour voir ce que ça dit. Ici, on nous propose par exemple de gagner 11, je pense, c'est 11 points, donc c'est 11 PP. 11 PP. Selon le temps qu'on va, le temps imparti, on va vous donner par exemple de cliquer sur un lien, de rester sur le site selon une durée, et ensuite vous ressortez et vous recevez vos PP. C'est tout. Je coche d'abord ça. Je collecte. C'est pas la même chose par hasard là. Ok, mais voyons voir. Ça, c'est nouveau ça. Je sais pas. Mais c'est pareil hein, si c'est ça. Ça, je collecte d'abord. Je pense que c'est pas l'option qu'on cherche, mais c'est crazy faucet, ça va. Apparemment, on me dit ah ok. Là, vous voyez, on a eu à effectuer la même tâche sur le manuel faucet. Ici, la contrainte est là. Lorsqu'on récupère les 11, on a le compte à rebours qui se lance, et c'est après ce compte à rebours que vous pourriez refaire la même action et recevoir de nouveau les 11. C'est un peu ça. Donc là, on va attendre les 3 secondes. 2, 1, passe. Et c'est bon. J'ai été crédité et je peux refaire la même action. J'attends ici que ça s'affiche. Oui, je collecte. Je serai crédité encore de 11 PP. Ainsi de suite, je suis maintenant à combien? À 133. C'est simple. Il y a encore d'autres moyens, d'autres tâches que vous pouvez faire. Ici, c'est le Search Ads. Ça, c'est en anglais. Nous allons convertir la page en français pour que vous puissiez voir. Ok, c'est de ça dont je faisais allusion. Ici, par exemple, en tout, vous aurez 163 PP à gagner lorsque vous aurez effectué toutes les tâches qui vont vous dire de faire. Toutes les tâches, autant pour moi. Ici, on vous dit par exemple d'aller sur ce lien et de rester 5 secondes. Regardez juste à ce niveau, j'ai cliqué sans savoir. Tout ce qu'on nous dit, c'est de cliquer sur le lien, de rester sur ce site 5 secondes et de ressortir. Voilà, et les 5 secondes sont... Bon, la plupart du temps, là, c'est... Tu restes sur les 5 secondes. Dès que les 5 secondes sont écoulées, lui-même, il t'affiche le captcha à valider et tu confirmes et tu seras crédité. Il va te renvoyer. Ok, bon, tu es déjà crédité, tu fais un retour. Ok, prends notre calme, ainsi de suite. Donc vous voyez juste là, on nous propose de gagner 21 PP en cliquant sur ce lien et de rester 5 secondes sur le site en question. Et juste ici, à ce niveau, il y a aussi l'onglet ci. Ça, nous sommes là. Il y a l'onglet ci où il y a 6 tâches à effectuer, c'est 5 tâches à effectuer. Et ici, vidéo, bon, on peut également suivre des vidéos et gagner des PP. Mais bon, il y a 0 tâches pour l'instant. J'efface tout ça. Prenons sur le second onglet, la fenêtre là, Windows. Oui. Et là, par exemple, vous voyez, on propose 24 et en restant 5 secondes. Parfois, ça peut aller à 10 secondes, 15 secondes. Et là, c'est que des tâches pas trop complexes apparemment. Le premier, on y va sur le site. Ok. Donc, on vous dit blablabla. Ensuite, juste vous faites quoi? Vous cliquez ici. On vous prévient juste là quelque part. Après avoir cliqué sur le bouton, vous restez pendant 5 secondes et vous ressortez. Bon, c'est expliqué en français aussi, hein, ça va. Donc, j'ai même pas trop besoin de me tracasser. Vous pouvez lire vous-même. On clique, on se rend sur le site. Ici, par contre, les 5 secondes ne sont pas montrées sur l'autre. On vous montre juste là en bas à droite le compteur rebours. Mais là, vous devez rester et compter 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. Donc, je peux ressortir. Voilà. Et dès que vous voyez déjà ce truc là, c'est que c'est bon, vous avez vérifié les conditions, les 5 secondes vous avez respecté, vous pouvez déjà cocher récupérer vos PP. Ok, espace du téléphone est suffisant. Désolé, j'espère que l'enregistrement ne va pas se couper. Wow. Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire? Les short links, ça c'est un peu plus complexe parce que il y en a beaucoup à gagner là. Par exemple, on propose 19 000 PP à gagner en une fois. Bon, pas en une fois, mais en effectuant 5 ou 6 tâches. Mais le souci est qu'ici, il faut être rapide. Le principe sur ce site est que chaque 24 heures, il renouvelle ces short links là.
Et souvent, c'est dans les heures tardives de 5h, non, 2h, 4h du matin. Vous verrez, en fait, il y a plusieurs manières. Bon, je peux parler de manière. Il y a un canal Telegram dans lequel un administrateur de ce site web envoie des coupons d'abord, envoie des coupons chaque 24 heures. Des coupons, c'est le code. Un code chaque 24 heures. Et ce code, on récupère, on vient, on insère sur le coupon, en termes de coupon ici, on dit ça comme ça, et vous récupérez. On va vous montrer, je vous montre ça, le canal Telegram bientôt. Et ça également, c'est chaque 24 heures. Si les 24 heures sont écoulées net, vous, les plus rapides qui viennent ici, récupèrent les différents lots là. Là, vous verrez, 20 personnes sur 20 ont déjà pris ça. 10 personnes ont déjà pris ça, 10 personnes sur 10. Donc, la zone ci là, jusqu'à présent, j'ai la flemme de rester aussi tard pour venir. Donc, désolé, moi-même là, me réveiller à quoi, 3h du matin, 2h du matin, être prévenu par la notification pour pouvoir venir, c'est un peu plus difficile en ce moment. Même si je dors souvent à des heures tardives, mais bon, je reste pas focus sur ce site non plus. Voilà. Le dernier là, qu'est-ce qui est intéressant? Je pense que j'ai pas mis pied là-bas. Je pense que j'ai pas mis pied là-bas. J'ai pas mis vraiment pied ici parce que ça m'intéressait pas trop. Et puis en plus, il y a rien. Voilà. Là, à peu près, j'ai eu à vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur les moyens de gagner les PP qui sont là. Ce sont ces listes là. Ok. En parlant des coupons maintenant, voici la zone des coupons. La zone de coupons. Si on se rend là-bas, là maintenant, vous verrez. On vous dit quelque part là de get le coupon. Si on clique sur le bouton get coupon, ça va nous renvoyer sur le canal Telegram. Et c'est là-bas qu'on prend le coupon. On vient, on essaie pour récupérer les PP qu'on nous donne gratuitement grâce à ce code-là. On prend le code, on vient, on insère à ce niveau. Le code qu'on va récupérer sur Telegram, on insère à ce niveau. Ensuite, on valide le captcha comme d'habitude. Et plus tard, on récupère à ce niveau. Et puis c'est tout. Voici l'action. Je vais vous montrer. Je préfère pas ressortir sur Telegram. On clique juste sur le bouton Get Coupon. Il va chercher à ouvrir Telegram. Bon, j'ai Telegram X, moi. Je déverrouille mon Telegram. Ok, j'entre avec ce compte. Ok, voici le canal. Vous voyez, voici le canal. Il y a 31 000 membres. Donc, vous voyez ça. En fait, là, je vous montre. Là, il a publié à 4h, 4 minutes. Ça, c'est un coupon, le code qu'il a publié à 4h. En date du 29. Et si on vient en date du 28, à 2h34 minutes. En date du 27, à 4h 6 minutes. Ça varie comme ça. Ça varie. Donc, si. Tu es OP, tu es bien positionné, bah ça va. Voici le code qu'il mentionne là. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de copier le code. Là, j'ai maintenu le code, j'ai copié. Je ressors, je repars sur le site. Ok, je viens sur la zone de coupons, je colle le code qu'il nous donne. Là, c'est un moyen de gagner gratuitement. Chaque 24 heures, il vous donne un certain nombre. Ça varie. Vous allez gagner. Je valide le captcha. Je sélectionne. Ensuite, je récupère avec le rhythm. Et puis, c'est tout. Bah, là, on me dit que you have already redefined the scope. Bon, l'anglais, désolé pour l'expression. Je ne suis pas si doué que ça. Je suis en apprentissage encore. C'est juste qu'il nous dit simplement que j'ai déjà eu à récupérer mes bonus par rapport à ce code. Donc, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Bon, oui. Plusieurs fois, c'est une seule fois. Voilà, tout est OK. Maintenant, on parle d'un PP en particulier. Ce PP là est différent, totalement différent du PP que vous allez trouver, par exemple, du PP Ethereum. Je viens sur Trust Wallet. Vous voyez, sur Trust Wallet, il y a aussi sur différentes plateformes d'échange. Vous allez voir qu'ils proposent des PP. Également, bon, là moi je suis plus centralisé sur Binance et Trust Wallet, comme Trust Wallet pour mes portefeuilles. Bon, Binance également, mais bon, vous voyez ici ce PP là, c'est PP Ethereum, et observez bien sa valeur. Je clique sur ce PP,
ce pépé est différent de ce qu'on a là-bas. Là, la valeur de ce pépé est de 0,50117. On est d'accord. Et là, c'est parce que c'est descendu. Il y a eu la baisse de moins 4% apparemment. Et c'est bien de faire des achats en ce temps, à ces périodes-là. C'est pas ça le sujet. Venons maintenant sur Binance. Binance, le PP qu'on mine là-bas est compatible à celui qui est ici sur Binance. Donc, ok, voyons voir maintenant ce PP qui est là. Ça, c'est PPPP. Observez bien, PP de la plateforme PP. Et cette valeur également est sensiblement égale. Mais observez bien, ici c'est 0,5017. Oui, mais avec une hausse de 1%. L'autre, s'il y a, une baisse de moins 4%, et la valeur est sensiblement égale à celle-ci. Faites très très attention, c'est légèrement différent. C'est pas la même chose. Si je reviens sur, je vous montre juste la différence pour que vous ne puissiez pas faire des erreurs. Regardez juste là le nom du PP. Ici c'est PP Ethereum. Je sais pas si vous voyez PP Ethereum. Mais si on revient sur la Binance, c'est plutôt PP de PP, de la plateforme PP. On est d'accord. D'où c'est cette valeur qui est accessible maintenant ici qu'on utilise. Ok, ça je pense que j'ai éclairci un point. D'où, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Là en ce moment, la valeur du PP est vraiment en hausse. Donc, je vous conseille vivement de récupérer ces PP. Ah oui, quelque chose de très important. Comment récupérer ces PP? Je devais montrer cette partie-là. Un instant, je mets la vidéo sur pause. Ok, nous sommes de retour. J'avais mis la vidéo sur pause pour faire un petit saut quelque part. Alors, le retrait. C'est le white draw. Revenons sur le retrait. Là, en gros, nous avons 4 services de portefeuille électronique. Le C-Wallet, le C-Wallet, le Faucet Pay, les payeurs et le Google Pay. Personnellement, je ne me suis pas aventuré sur Payeur et Google Pay. Je vous conseille le C-Wallet. La première option, pour question de simplicité, de frais de transfert qui sont allégés à ce niveau. Par contre, sur Faucet Pay, c'est vrai que Faucet Pay est plus sécurisé, est plus connu et a plus de notoriété. Mais les frais, les coûts de retrait sont excessifs. J'ai fait l'erreur de faire mes premiers retraits, assez de retraits sur cette plateforme-là. Mais on me dit quoi? On me dit par exemple que pour retirer un Doge, il faut également payer comme frais de retrait un Doge. D'où, il faut que j'ai deux Doge pour pouvoir recevoir un et eux, ils prennent un. C'est pas normal. Bon, c'est vrai qu'ils proposent des services, tout ça, mais quand même, c'est excessif. Ils ont des milliers d'utilisateurs. Moi, je ne conseille pas ça. La plupart du temps, je vous conseille le C-Wallet. Là, la méthode de retrait, vous créez un compte, ensuite vous revenez, tout ce que vous avez à faire et également, je vous précise que sur le C-Wallet, vous avez la possibilité de faire des retraits des PP. Mais par contre, sur le Faucet Pay, vous ne pouvez pas faire des PP. Il n'y a pas de PP là-bas sur leur service de portefeuille électronique. Donc ici, c'est les différents cryptos que vous pouvez effectuer les retraits. Il y a aussi, si vous baladez un peu sur le site, vous pouvez avoir une option, vous pouvez convertir des PP en tel et puis pour pouvoir retirer plus tard. Ça c'est à votre convenance. Là c'est simple, j'ai déjà lié mon portefeuille électronique à ce niveau que j'ai déjà lié. C'est pourquoi vous voyez là, si j'avais pas lié, on va vous demander de lier pour pouvoir effectuer le retrait. Donc créer un compte, je pense que je vais également laisser
mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo pour ceux qui ont besoin de créer un compte, et je pense que vous aurez une certaine réduction selon l'ancienneté que j'ai par rapport à, sur la plateforme. Donc ça va aller. Vous cliquez également sur ce lien pour vous créer un compte si vous n'avez pas. Si vous en avez, tant mieux. Vous venez juste vous lier. C'est facile. La méthode est facile. Mais s'il y a des difficultés, vous pouvez toujours laisser dans les commentaires. Je vais essayer d'expliquer. Là, je coche ce que je veux. Je pense, comme j'ai les PP, de préférence, j'effectue de retirer les PP. Je pense que je vais retirer comme ça. Mais d'abord, je sors. Je vous montre. Je suis sur l'application. Je vous montre carrément mon compte et vous allez voir que les retraits sont instantanés, rapides, au même moment. J'entre mon mot de passe, voici. Là par exemple, je reviens à ce niveau, ou quelque part, désolé, je vais flouter certaines zones parce que pour question de sécurité et également pour des raisons qui me sont propres. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on a, je clique sur recevoir. Bon, vu que j'ai dit allié, j'ai pas besoin de cliquer sur recevoir, donc c'est pas vraiment important. Ah, je pense on peut déjà faire des calculs tout simples. C'est pour vous montrer, vous pouvez emmagasiner, stocker maintenant. C'est de préférence, faites-le, parce que lorsque ça va vraiment prendre de la valeur, vous verrez l'importance. Là maintenant, ça n'a pas tellement de valeur, mais quand même vous pouvez gagner de l'argent avec la valeur de maintenant. Si vous avez emmagasiné, ça c'est la valeur 0,050 et puis le 7. Et si vous avez environ combien, 1 million, vous avez stocké 1 million de PP, vous avez 7 dollars. Vous voyez ça, c'est juste ça, 7 dollars. Voici, je voulais vous montrer la liste des retraits que j'ai effectués. Ok, ah oui, j'avais caché les soldes qui sont pas. En gros, ici j'ai retiré 993 PP. Donc on va effectuer ce second retrait pour voir combien ça viendra. Là, sur mon solde, j'ai 177. Donc 900 plus 177 qui seront ajoutés. Lorsque vous aurez déjà coché la crypto dont vous voulez retirer, venez juste en bas. N'oubliez toujours pas, il y a toujours les captures. Toujours la sécurité. On coche, ensuite on se retire nos cryptos, nos PP. On dit minimum. Il y a un taux, une marge minimale de retrait. Désolé. Pour pouvoir effectuer un retrait, il faut stocker au moins 282 PP. Donc c'est loupé pour cette séance parce que là j'ai pas magasiné assez de PP. Attendez, je mets la vidéo sur pause. Je vais effectuer quelques tâches rapidement pour atteindre les 282 et je vous reviens. Ok les gars, de retour, et là ça m'a pris environ 8 minutes pour pouvoir récupérer ce qui me restait pour pouvoir faire le retrait. Ok, allons-y pour le retrait. C'est wallet. Je coche les PP. Je vous rassure, mon solde est toujours à 999. Hein. Voici, mon solde est toujours à 993,9 quelque chose. Voilà, la vérification de sécurité, captcha. Ensuite, se retirer. Exact. What? Minimum 282. Je suis à combien de PP? Oh, 281. Il me reste juste un. Allons-y pour le manuel. Juste enlevons 4. Voilà, on collecte. Plus 4 PP. Ok, nous sommes à 286. It's good. On peut enfin effectuer notre retrait, franchement. Ah, on peut cocher. En bas. La sécurité. Et se retirer. Let's go. Voilà, retrait effectué avec succès. Revenons sur C-Wallet, l'application qui est là. Je débrouille mon compte. Observez, je suis à 1279 PP. On est d'accord.
Alors, je vous assure, ne tardez pas pour stocker au maximum des PP. Je ne sais pas combien de temps. À l'allure à laquelle PP est en train de prendre de la valeur, il nous faut 1, 2, 3, 5, 4 mois pour que ça puisse encore augmenter considérablement. Donc, ne perdez pas votre temps. Tous les liens nécessaires sur tout ce que j'ai eu à dire sur ce tutoriel seront dans la description de la vidéo. Laissez des commentaires s'il y a certains points dont je n'ai pas éclairci ou s'il y a des manques. Je me ferai le plaisir de répondre et bon, si j'ai également une certaine disponibilité, c'est vrai que je ne vais pas répondre à l'instantané, mais bon, je vais faire un effort pour pouvoir répondre. Donc, n'attendez pas. Likez la vidéo, c'est important. Abonnez-vous si cette vidéo vraiment peut avoir assez de vues. J'aimerais bien que vous abonniez. C'est important pour moi. Merci, à la prochaine. Là, on se retrouve peut-être pour d'autres tutoriels de ce genre, à votre demande, bien sûr. Là, toujours à votre demande. Comme on dit, le client est roi. Et la communauté également, c'est vrai que là, je me considère comme... Là, je raconte du tout et de n'importe quoi, c'est pas grave. Allez, on se dit à bientôt et à la prochaine.